C'est un jour particulier. Les fidèles d'Apple ont attendu des heures pour acheter le dernier né de la marque, l'iPad mini. Un événement orchestré par Apple dans 34 pays. Ça y est, vous l'avez ? Ouais, enfin, ça fait le septième que j'achète, mais c'est pas grave. Le septième ? Oui. Le troisième mot qu'a su dire mon autre petite fille qui a maintenant 3 ans, elle a d'abord su dire maman, puis papa, puis iPad. Elle évoque quoi, cette marque ? Bon, elle raconte déjà la beauté des objets. Une fête que nous venons gâcher. Nous montrons à certains de ces acheteurs des images de la fabrication de ces produits. Et c'est une jeune femme qui a 17 ans, qui est aujourd'hui dans un fauteuil roulant parce qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours, parce qu'elle travaillait sur une ligne de fabrication que c'était insupportable et qu'elle n'en pouvait plus. C'est sûr que évidemment c'est pas l'histoire qui nous est racontée. Quelle horreur! Voilà, il y a parfois ni l'eau ni l'électricité. Ils sont entassés dans des dortoirs. C'est pas très beau. Si vraiment les conditions de travail sont ça, c'est assez lamentable. Malaise aussi chez les représentants d'Apple, présents sur place. On peut se parler? Je peux vous montrer quelque chose? I'm sorry, you can't come in. It's for customers only today. Yeah, that's a girl. She works in Foxconn. You know Foxconn? Ce jour-là, pas plus qu'un autre, nous ne pourrons interviewer de porte-parole sur les conditions de travail dans les usines d'où viennent tous les produits Apple. Ces images proviennent de Foxconn, le principal sous-traitant d'Apple en Chine, une entreprise fermée aux journalistes. Pour comprendre comment sont assemblés les produits Apple, nous avons réussi à infiltrer leurs usines pendant plusieurs jours. Au fil de leurs images, nous avons découvert un système dans lequel les ouvriers sont entièrement dédiés à la production. Un management militaire où les insultes sont quotidiennes. Toi, tu la fermes. T'as qu'à venir là si t'as quelque chose à dire. Il y a aussi ces dortoirs insalubres, des jeunes de 16 ans forcés à travailler et des ouvriers qui se suicident. Les usines Foxconn, le secret de fabrication le plus controversé d'Apple. Nous commençons notre enquête à Shenzhen, au sud de la Chine. C'est là que le pouvoir a lancé l'ouverture du pays, il y a 30 ans. C'est là que Foxconn a implanté ses usines. Aujourd'hui, avec 1 400 000 personnes, c'est le premier employeur privé de Chine. Malgré nos demandes, Foxconn n'a pas souhaité nous ouvrir ses portes. Nous avons décidé de faire embaucher 2 personnes qui acceptent de prendre ce risque. Rapporter des images de l'usine historique de l'entreprise. Nous les rencontrons la veille de leur journée de recrutement pour leur confier du matériel de tournage. Voici leurs premières images. L'intérieur ressemble à une ville. Sur plusieurs hectares, les ateliers de fabrication où sont assemblés des produits Apple, mais aussi certains gadgets de Hewlett-Packard et Amazon. Il y a aussi ces immenses dortoirs. 250 000 personnes sont employées ici, la plupart venues des provinces les plus pauvres du pays. Beaucoup n'ont même pas 20 ans. Faut lever la main quand j'appelle votre nom. Une fois à l'intérieur, les ouvriers qui filment pour nous reçoivent les premières consignes. Dès les premières minutes du recrutement, ils doivent se plier aux ordres et faire des heures de queue pour signer leur contrat. Il fait tellement chaud, mais pourquoi on refait encore l'appel? Tais-toi, tu gênes tous les autres. Arrête, il y a des centaines de personnes qui attendent à cause de toi. Bon, je reprends. Tout le monde devra se souvenir par cœur de sa place. Tu la fermes, toi aussi. Si tu veux parler, tu n'as qu'à venir ici.
Au bout de quelques heures, les deux ouvriers qui portent nos caméras nous retrouvent pour nous livrer leurs impressions. Pour obtenir ce contrat qu'ils viennent de signer, ils ont dû se plier à des consignes très strictes. Ça a duré toute la journée. À chaque étape du recrutement, il y a des responsables pour nous donner des ordres, comme à l'armée, en nous parlant assez méchamment. Leur tournage reprend. Aux ordres permanents s'ajoutent des conditions de travail éprouvantes. Dès les premiers jours, ils seront affectés au travail de nuit, sur les lignes du contrôle qualité des iPads, dont la production ne s'arrête jamais. Jour et nuit, les milliers de salariés se relaient au vestiaire. Dans ces casiers, ils doivent déposer pour raison de sécurité tout objet métallique. Impossible de filmer plus loin. À l'intérieur, il fait un froid glacial. On n'a pas le droit d'avoir de montre avec nous. Et il n'y a pas d'horloge dans l'atelier. Le temps ne passe pas. C'est désespérant. On devait travailler toute la nuit pendant 8 heures et finir à 5 heures le matin. Mais ils ont décidé d'ajouter encore 2 heures supplémentaires. Je dois dire que c'est crevant. On a eu le droit à une seule pause vers 23 heures. Ce qui est le plus fatigant, c'est de tout le temps répéter le même geste. À ces conditions de travail s'ajoute une vie quotidienne difficile. Après le travail, chacun rentre à son dortoir. Personne ne se parle. Ils dorment toute la journée. Et puis ils retournent travailler. Personne ne se connaît vraiment. Les ouvriers ne quittent l'univers Foxconn qu'à l'occasion d'un congé annuel. Le reste du temps, ils vivent dans ces immeubles anonymes. S'il est impossible de filmer les lignes de fabrication, voici les images qu'ils ont pu tourner clandestinement dans leur dortoir. Les ouvriers sont logés à 8 par chambre. Des couchages sommaires qui ne permettent aucune intimité. Les ouvriers ne font que s'y croiser et n'ont comme espace commun que ces salles télé. Des employés dédiés à la production qui vivent, dorment et mangent sur place. Voici leur cantine. On les voit attablés, seuls, là aussi. À mon arrivée, dans mon dortoir, il y avait deux filles. Une d'elles travaillait depuis un an et l'autre depuis plusieurs semaines. Elle ne s'était encore jamais adressée la parole. Ces dortoirs, que l'ouvrier filme à son réveil, sont en fait payants. En principe, pour ces travailleurs qui viennent de toute la Chine, le salaire mensuel est attractif chez Foxconn. Il est de 220 euros, un peu au-dessus du minimum légal à Shenzhen, mais beaucoup plus que dans les provinces dont sont originaires ces ouvriers. Pourtant, cette somme, Foxconn ne leur verse pas vraiment. On t'annonce un salaire de 220 euros, mais en réalité ce n'est pas ce que tu touches, parce qu'ils enlèvent 14 euros pour les charges et le dortoir. Ils prennent 50 euros pour les repas et tu payes ton badge en plus. Et à cela, tu rajoutes le prix des assurances. Pour qu'il leur reste de quoi envoyer de l'argent à leur famille, les ouvriers sont contraints de multiplier les heures supplémentaires. Si on ne fait pas d'heures supplémentaires, on ne gagnera rien du tout. Même en faisant plein d'heures sup, on arrivera à peine à 250 euros, parce qu'on ne touche pas tout. Il y a un mec dans mon dortoir qui est là depuis un an. Il arrive à gagner 260 euros. Il est très difficile de savoir combien d'heures supplémentaires
les ouvriers effectuent dans cette usine. En théorie, Foxconn ne peut pas demander à ses employés d'effectuer plus de 60 heures supplémentaires par mois. Une vague de suicides a attiré l'attention sur ses conditions de travail. Ici, à Shenzhen, en 5 mois, 14 ouvriers ont mis fin à leur jour il y a 2 ans. Certains en se jetant du haut de leur dortoir. Pour en savoir plus sur ces suicides, nous avions prévu de rencontrer la principale organisation qui enquête sur Foxconn, China Labor Watch. Nous devions les voir à Shenzhen, non loin de l'usine. Une heure passe, puis toute une journée sans qu'ils se manifestent. L'explication, ils nous la livrent le lendemain, par téléphone. Vers 11h30, 2 heures avant notre rendez-vous, tout à coup, il y a plusieurs policiers en uniforme qui ont fait irruption dans le bureau et qui nous ont demandé de les suivre. Arrivés au poste de police, ils nous ont fouillés et ils ont pris toutes nos affaires. On a été placés en détention pendant des heures. À la fin, ils nous ont explicitement donné l'ordre de ne pas répondre à vos questions. Les suicides chez Foxconn, un dossier sensible que le pouvoir chinois aimerait passer sous silence. Impossible de rencontrer les organisations de défense de travailleurs. Il nous a fallu parcourir des centaines de kilomètres au cœur de la Chine profonde pour retrouver l'une des ouvrières qui ont plongé Foxconn et son client Apple dans la tourmente. Nous sommes dans le Henan, l'une des provinces les plus pauvres au centre du pays, là où Foxconn recrute la plupart de sa main-d'œuvre. Elle s'appelle Tianyu. Elle a 18 ans. En mars 2010, elle a sauté du 4e étage de son dortoir. 10 jours de coma, 6 mois d'hôpital et une vie en miettes. Je ne peux pas me déplacer sans ma chaise roulante. Vous sentez encore un peu vos jambes ? Non, plus du tout. Et qu'est-ce que vous faites toute la journée ? Je reste là et parfois, je fais un tour dans la cour. Comme tous les jeunes de son village, Tianyu était parti à 16 ans, chercher dans la région de Shenzhen de quoi aider ses parents. À ce moment-là, une de mes cousines travaillait là-bas. Elle m'a dit que Foxconn recrutait et j'y suis allée. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé au suicide ? Je ne veux plus y penser maintenant. C'est trop triste. Je ne veux plus y penser. Ce que Tianyu ne veut plus raconter, c'est son père qui nous l'expliquera. 13 heures par jour, elle travaillait au contrôle qualité des produits Apple. Une insulte de trop et elle démissionne. Elle tente alors de toucher son dû. C'était une petite fille de la campagne. Elle n'était jamais sortie de la famille. Il y avait plusieurs stations de bus entre son dortoir et le bureau des paies. Pour toucher ce que Foxconn lui devait, elle faisait des allers-retours. Mais au bout d'un moment, elle n'avait même plus d'argent pour prendre ce bus. Elle a marché tout un après-midi sans succès jusqu'au soir. Elle était vraiment désespérée. À la sortie de l'hôpital, Foxconn lui verse 22 000 euros. À peine de quoi payer ses frais de rééducation et ses soins. Ses parents ont vendu le gros de leur bétail et se sont endettés pour l'aider. Foxconn, je ne veux plus entendre ce nom. Nous voulions obtenir une indemnisation, mais ils ont refusé. Ils ont dit que l'entreprise consentait simplement à un geste humanitaire. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Mais on n'est que des paysans. Eux, c'est une très grande entreprise dans une très grande ville. On est impuissant face à eux. Le désespoir d'une jeune paysanne et 14 suicides ont fait évoluer Foxconn et son client Apple.
Le changement le plus notable dans l'usine de Shenzhen sont ces filets de sécurité installés il y a quelques mois, à chaque fenêtre de chaque dortoir et à chaque atelier. Apple assure que Foxconn améliore les conditions de travail et a ouvert ses portes à une organisation de contrôle. Foxconn a promis que l'été prochain, aucun employé ne dépasserait le quota légal d'heures supplémentaires. Autre moyen pour prévenir les suicides, une hotline appelée la ligne de l'amour a été créée. Son numéro, le 78585, se dit « Aidez-moi » en chinois. Il est sur tous les badges de tous les employés. Foxconn a également instauré un test psychologique à l'embauche pour éviter de recruter les plus fragiles. Un test qu'ont passé les ouvriers que nous avons infiltrés. Les questions sont idiotes. On te demande par exemple si tu es dépressif ou colérique. Franchement, si tu veux te faire embaucher, tu ne vas pas le dire. D'ailleurs, le contrôle de santé coûte 7 euros. Des filets anti-suicide, une ligne d'assistance téléphonique, un test psychologique. Si des efforts ont bien été faits pour améliorer un peu le quotidien des ouvriers dans l'usine historique de Shenzhen, en septembre dernier, un ouvrier s'est suicidé. Mais est-ce un cas isolé ? Nous quittons Shenzhen pour aller rencontrer ce chercheur d'une université de Canton. Xu Rué, lui, accepte de répondre à nos questions à visage découvert. Selon lui, Foxconn a déplacé la pression sur ses ouvriers dans les autres usines que l'entreprise a construites en Chine. En 2010, après la vague de suicides, ils ont accéléré leur délocalisation à l'intérieur de la Chine. Maintenant, ils ont des usines gigantesques dans plein d'endroits. Des émeutes se sont déroulées ici, à Taiyuan, dans la province du Shaanxi. Et il y a eu une grève au moment de la sortie de l'iPhone 5 à Zhengzhou. Cette grève, début octobre, pourtant interdite en Chine, en voici une photo recueillie sur Weibo, le principal réseau social chinois. Sur cette vidéo, datée de fin septembre, une émeute oppose des gardiens de dortoir à des salariés dans l'usine de Taiyuan. Pour Xu Rué, la colère se propage dans ces nouvelles usines. Ce message dit, rien qu'au mois d'octobre, j'ai fait 150 heures sup. C'est le contraire de ce que Foxconn affirme aux médias sur le respect des heures légales. Un autre ouvrier dit que ça fait 3 mois qu'il ne s'est pas arrêté une seule journée. Nous choisissons d'aller enquêter à Zhengzhou, au centre de la Chine. C'est la capitale de l'une de ces régions déshéritées où Foxconn a décidé d'investir. Le salaire minimum y est plus bas qu'ailleurs, et ici nous sommes loin des organisations de défense des travailleurs. C'est l'endroit idéal pour faire sortir de terre en seulement 2 ans une usine comme celle-ci. Ce serait la plus grande usine d'assemblage de smartphones au monde. Elle serait aujourd'hui dédiée à l'iPhone 5. Pour sa sortie et pour répondre à la demande, il a fallu en produire des millions en quelques semaines. C'est un enjeu industriel majeur pour Apple. D'autant que le procédé d'assemblage du dernier iPhone est particulièrement délicat. Foxconn l'a reconnu. Un ouvrier de ses lignes de fabrication nous le confirme, sous anonymat. C'est l'aspect extérieur de l'iPhone 5 le problème. On a du mal à trouver la bonne méthode pour la fabrication. Notre chef nous fout la pression pour fournir les commandes. Il nous dit, si tu ne trouves pas de solution, tu te barres. Alors nous, sur nos lignes, on met la pression à notre tour. On dit aux ouvriers, si tu n'y arrives pas, tu te casses. Il y a beaucoup d'insultes. Tu penses rester combien de temps ? Chaque jour, je pense que je vais craquer. Les conditions de travail seraient donc ici pires qu'ailleurs. En octobre dernier, 3 à 4 000 personnes se seraient mises en grève.
Foxconn, le conteste toujours. Pour répondre à la demande d'Apple et sortir les millions d'iPhone 5, Foxconn a surtout pris du retard pour loger ses 200 000 ouvriers. Les infrastructures ne sont pas terminées. Nous avons également infiltré cette usine. Comme les autres nouveaux arrivants, la personne qui filme pour nous reçoit les consignes des responsables de Foxconn. Dans le quartier, avant-hier, il y a eu 8 morts. Ils avaient branché dans leur chambre des équipements trop puissants. Et le feu s'est déclaré pendant leur sommeil. Ces personnes sont mortes brûlées vives. Donc, le règlement interdit désormais les équipements trop puissants. Il est également strictement interdit de laisser rentrer quelqu'un qui ne travaille pas chez Foxconn dans ses dortoirs. Si on découvre qu'une telle chose s'est passée, vous serez immédiatement licencié. Vous aurez 100 points valables 6 mois chez Foxconn. À chaque fois que vous n'obéirez pas à une règle, on vous enlèvera des points. Si vous passez en dessous des 60 points, vous serez viré d'ici. Ici, c'est la sécurité des ouvriers qui est en jeu. La personne qui tourne pour nous s'apprête à découvrir son dortoir. Ici aussi, ils sont facturés aux salariés. L'immeuble n'est pas encore achevé. Tout est en chantier. Mon dortoir est au 8e étage. Il n'y a pas encore d'ascenseur, c'est pas très pratique. Il n'y a encore ni électricité, ni eau courante. Là, c'est la vue de mon dortoir. Pour les habitations, mais aussi les transports, le niveau de sécurité est déplorable pour les ouvriers. Il va y avoir beaucoup d'autres accidents. Ça se développe tellement vite que Foxconn et le gouvernement local n'ont pensé qu'à la construction des usines et pas à offrir un cadre de vie convenable pour les travailleurs. À l'intérieur de l'usine, près des cantines, dans le périmètre des dortoirs, au fil de ces rencontres, l'ouvrier filme pour nous ses échanges avec des employés, excédés par les conditions de vie et les difficultés de production de l'iPhone 5. Tous les jours, 300 personnes démissionnent. Ils travaillent un peu et après ils craquent. Tous les jours, il y a plein de départs. C'est pour ça qu'ils recrutent autant. Moi aussi, je ne peux plus travailler comme ça. Je vais tenir jusqu'à la fin de l'année, et puis après, je me barre. Pour remplacer ces départs et honorer les commandes, toujours plus importantes, les recrutements sont massifs. Le jour où la personne qui filme pour nous se présente à l'embauche, ils étaient près de 2000 personnes à entrer chez Foxconn. Mais c'est encore insuffisant pour l'entreprise. Pour trouver de la main-d'œuvre supplémentaire, Foxconn a recours à d'autres méthodes. L'entreprise ferait appel à des stagiaires, souvent âgés de 16 ans et pas toujours volontaires. C'est à Pékin que nous rencontrons Yu Fengqiang, directeur d'une association de protection des travailleurs. Il a voulu défendre certains de ces jeunes, révoltés d'avoir été envoyés de force sur les lignes d'assemblage de l'iPhone 5. Pour les écoles, c'est facile d'envoyer des masses de main-d'œuvre. Pour Foxconn, recourir aux stagiaires a plusieurs avantages. C'est moins cher, c'est facile en termes de gestion et ils n'ont pas besoin de les former. En plus, ce sont des contrats de courte durée. Et dans ce cas précis, c'était au moment du lancement de l'iPhone 5. Foxconn n'a eu besoin d'un supplément de main-d'œuvre que quelques mois seulement. Ce recours aux stagiaires est parfaitement légal depuis 2010, comme l'atteste ce document.
Le gouvernement demande par exemple aux universités de faire des efforts pour envoyer le maximum de stagiaires dans les entreprises, particulièrement celles qui ont une pénurie de main-d'œuvre. Le document indique aussi qu'il faut que les régions les plus développées du pays alertent les plus pauvres quand leurs entreprises manquent de main-d'œuvre. Ainsi, ces zones pauvres enverront leurs étudiants combler les manques sur les lignes de production. Des étudiants de 16 ans au service d'une politique gouvernementale, une spécificité du modèle économique chinois dont profite Foxconn. Foxconn est tellement puissant que les gouvernements locaux sont prêts à tout pour l'aider. Il y a une connivence étroite. Ils sont très liés. Le recours aux stagiaires est réglementé. Ils doivent être en rapport avec la formation des étudiants. Ces derniers doivent être consentants et ne pas travailler de nuit. Mais le sous-traitant d'Apple respecte-t-il bien cette législation? Nous retournons enquêter à Zhengzhou, là où sont assemblés les iPhone 5. Selon une source interne, les stagiaires seraient ici jusqu'à 15 000, 7% des ouvriers. Foxconn refuse de commenter ce chiffre. Selon Apple, il serait trois fois moins. Autour de l'usine, ces commerces, construits à la va-vite par des paysans locaux. C'est là que se retrouvent les ouvriers. C'est là que nous allons rencontrer deux jeunes filles. Nous les interrogeons en caméra cachée. Elles ont 16 ans et sont stagiaires chez Foxconn pour 3 mois. Contrairement à ce que prévoit la loi, elles sont bien ici, contre leur volonté. Vous étudiez la médecine et vous travaillez chez Foxconn, mais pourquoi, quel rapport? Aucun, on travaille à la chaîne. Mais ce n'est pas en rapport avec vos études? Non, mais c'est l'école qui nous a envoyés ici. D'ailleurs, personne ne voulait venir, mais les professeurs nous ont dit que c'était obligatoire. Mais vous travaillez de jour ou de nuit? On fait les deux. Et comment vous vous sentez? Bof, pas terrible, c'est fatigant. Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez refusé de venir? Il y en a qui disent qu'ils ne nous donneront pas de diplôme. J'ai entendu dire qu'ils pourraient aussi supprimer la bourse d'études. Nos parents sont inquiets et ne veulent pas qu'on soit là. Ils ont essayé de négocier avec l'école, mais ça n'a pas marché. Nos parents n'ont pas de solution. Mais ils ne sont pas contents du tout. Ils trouvent qu'on est beaucoup trop jeunes pour être dans un endroit pareil. Des étudiantes forcées à travailler dans un domaine qui n'a rien à voir avec leur formation et qui sont sur les chaînes de production la nuit, tout est illégal. Nous tentons de joindre leur école pour obtenir une explication. Bonjour, nous faisons une enquête. Vous avez bien des stagiaires en ce moment chez Foxconn? Dans leur usine de Zhengzhou, dans le Henan. C'est exact. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils étudient. Pourquoi est-ce le cas? Il faudrait que vous contactiez le service de communication. Oui, allô, bonjour. Je ne suis pas au courant. Adressez-vous au directeur. Pouvez-vous me dire quand il sera là? C'est vraiment très urgent. Non, j'en sais absolument rien. Je ne sais pas du tout quand il est là. Une manière de nous dire qu'on ne répondra pas à nos questions. Nous avons interrogé Foxconn sur ce point. Elle rejette la faute sur les écoles. Mais comment réagit l'entreprise face au suicide? Durant notre tournage, nous apprenons qu'un employé de 22 ans vient de se suicider. Justement ici, à Zhengzhou. Il travaillait sur les lignes de fabrication de la carte mère de l'iPhone 5. La famille a protesté devant l'usine. Un ouvrier nous fait passer une photo de cette manifestation interdite. Le lendemain, nous parvenons à joindre le frère par téléphone. Il s'est pendu juste à côté de l'usine.
Depuis combien de temps votre frère travaillait là-bas? Mon frère travaillait dans l'usine de Foxconn depuis plus d'un an. Selon sa famille, ce sont les conditions de travail qui sont en cause. Il m'avait parlé des pressions qu'il subissait. Avant de se suicider la veille, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il n'en pouvait plus et qu'il voulait démissionner, mais l'usine ne le laissait pas partir. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je n'ai pas assez pris au sérieux ce qu'il me disait. J'avais essayé de le consoler. Je lui ai dit de ne pas trop y penser. On ne peut pas le faire revivre. On peut juste attendre. Voir comment Foxconn va réagir. Trois jours plus tard, nous rencontrons la famille. Elle se prépare dans le centre-ville pour aller manifester devant les usines Foxconn. Voici le frère de Jing Zhongfeng, qui est mort il y a maintenant une semaine. C'est lui que nous avions pu joindre au téléphone. C'était lui, votre frère ? Oui, c'était lui. Il était venu travailler chez Foxconn, parce qu'au village, il y a des offres d'emploi partout. La propagande dit que les conditions de travail y sont très bonnes et que tout ira bien. Avec son père, il exige de Foxconn une indemnisation. Ils ont convié plusieurs médias chinois. Aucun ne s'est déplacé. Juste avant l'heure fixée pour la manifestation, l'entreprise rappelle le père. Il part pour une ultime médiation. Quelques instants plus tard, celui-ci appelle son fils. Allô, papa ? Comment avancent les négociations ? Qu'est-ce qu'on fait alors ? On va plus à l'usine manifester ? Jing Zhaofeng apprend que selon le contrat signé par son frère, Foxconn est dégagé de toute responsabilité en cas de comportement excessif. Le suicide en fait partie. Par ailleurs, son frère a laissé une lettre. Il y raconte les pressions au quotidien, mais également des douleurs d'enfance. La famille est maintenant convaincue qu'un tribunal rejettera leur plainte en cas de procédure. On ne peut plus rien faire, peu importe si on manifeste ou pas. Il n'y a que les riches qui ont du pouvoir. Non, ce sont les règles de l'entreprise. Mais ces règles, ce ne sont pas les lois. Ce sont leurs règles et nous devons obéir. On ne peut plus rien faire. L'accord signé, la famille vient récupérer le corps de Jing Zhongfeng à la morgue de l'hôpital, en présence des représentants de Foxconn. Foxconn a consenti à un geste. 2500 euros d'indemnisation et un solde de tout compte. En échange, la famille doit garder le silence, une clause qu'elle conteste. Au crématorium, selon la tradition, la famille fait disparaître les affaires du défunt avant de transporter ses cendres dans leur village, à une centaine de kilomètres de là. Tout est injuste depuis le début. Tout est tellement injuste. Ce matin, je suis allé récupérer ses affaires à son dortoir. Les gens ont fait comme s'ils n'étaient pas au courant. Tout le monde était très froid, complètement insensible. Si Foxconn trouve qu'on les diffame, si on dit du mal d'eux, ils ont dit qu'ils ne nous donneraient pas l'argent. Mais c'est quoi ces règles-là? Et la liberté d'expression alors? Ça n'existe pas?
Qu'est-ce que c'est que ces lois qui ne valent que pour les riches? Nous avons interrogé Foxconn. Dans leur réponse, l'entreprise dit ne pas être au courant de ce nouveau suicide. Rien de tel ne se serait produit sur leur installation. Il y a un mois, Foxconn a annoncé qu'un million de robots remplaceraient les ouvriers chinois d'ici 2 ans. Sollicité, Apple ne nous a répondu que par mail et de façon imprécise. En préambule, la firme américaine indique que ses sous-traitants sont tenus d'offrir à leurs employés les conditions de travail les plus sûres, le respect et la dignité.